Oh putain, je crois qu'il est toujours après moi. Casse-toi, je t'ai dit! Oh, 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 oh! Oh mon dieu! Casse-toi! Fido, arrête! Oh la vache! What's going on, guys? Et bienvenue pour la survie du week-end. Donc, on reprend The Long Dark et on recommence parce qu'il y a eu la dernière mise à jour. Donc, la dernière mise à jour avant la fin de... Enfin, avant de la sortie du jeu. Donc, c'est la dernière. Et ils ont effacé toutes les sauvegardes. Donc, ce qui est pas plus mal parce que maintenant, le jeu est définitif. Le jeu est fini. En tout cas, aussi, on a le mode histoire. Lui, par contre, sera disponible à la sortie du jeu. Donc, le 1er août. Donc, on peut rien faire. Donc, ça se... apparemment, ça se passe en épisode. C'est pas mal. J'ai l'impression que pour l'instant il va avoir que les deux premiers épisodes de disponibles, puis après ils vont les rajouter petit à petit, je pense, par mise à jour sûrement gratuite, etc. Mais on a toujours les bacs à sable, les sandbox qui fonctionnent, donc on va faire ça. On a aussi les défis, c'est vrai que les défis je les ai jamais faits, mais peut-être que je séparais quelques vidéos en fait de la survie principale avec des défis de temps en temps, et plus tard avec l'histoire aussi. Ça peut être pas mal de faire ça aussi. Parce que ce qui est bien, c'est qu'avec les défis, on gagne... En fait, on gagne des bonus avec des insignes, donc exploits et défis. Par exemple, j'aime lire, on fait ça, et on gagne... augmente de 10%, voilà. Les avantages de chaque livre augmentent de 10%, voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Moi, j'ai pas vraiment assez joué pour voir que... Pour débloquer quelque chose, donc j'ai vraiment rien du tout. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vais lancer un nouveau bac à sable, une nouvelle sandbox. Je vais la lancer en intrus. Donc, intrus, c'est extrêmement dur comparé à tracker. On faisait du tracker avant. Ça se passait vraiment bien. Au début, bon, c'était un peu dur au début, mais ça allait. Puis après, en fait, ça devenait assez facile. C'est-à-dire qu'on avait énormément de ressources. Genre, j'étais toujours plein. J'avais toujours trop d'objets sur moi. On pouvait pas vraiment mourir. Donc on va essayer intrus. Alors je vous le dis maintenant, peut-être que en fait quand je vais balancer le gameplay, la partie, je dirais que je suis passé en tracker à la place, parce que intrus c'est un peu de chance au début, enfin c'est voire même beaucoup de chance, parce qu'on a très peu d'objets et il faut apparaître en fait dans une bonne zone. Il faut qu'on trouve quelques objets assez rapidement, assez facilement. Enfin voilà, il faut un peu de chance quand même. Donc bon, en tout cas, je vais essayer de faire une série en intrus. On va voir comment ça se passe. Donc j'espère que ça va bien se passer. On va tester, on va prendre un mec. Et on va s'appeler... Nigel Danvers. Ça sonne bien. Voilà, donc on va... Voilà, on teste intrus. Si jamais j'y arrive pas, que je mets 3 heures pour commencer une bonne partie, bon, on changera quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est parti. Et on commence notre survie. Alors, où est-on? J'en sais rien. On va prendre ça. On va prendre tout ce qu'on voit sur le chemin pour le moment. Donc on est en intrus. On a vraiment mais rien du tout sur nous. On n'a même pas d'allumettes. Donc c'est la merde. Par contre, il fait moins 28, il fait extrêmement froid. Donc, il va falloir trouver un endroit pour se réchauffer. À un certain moment, pour éviter les gelures, en fait. Ça, c'est le plus emmerdant. On peut descendre... D'abord, je veux quand même voir un peu aux alentours s'il n'y a pas autre chose. Truc à récupérer vite fait. Can't feel my feet. Je vois. Ah bah tiens. Il n'y a rien, des boîtes en carton. Risque d'hypothermie. Putain, tu te fous de ma gueule. Oh yes. Ok. Oh la vache. Ne pas se tuer. Ok, on tente.
Oh putain, oh putain. Ok, on est bon. Ok, on est bon, on est bon. Putain de loup de merde. Ok, ça va. J'ai fait de l'alpinisme, je connais. Vous inquiétez pas, moi je le fais sans les mains. Enfin, peut-être pas. Alors, on aurait pu passer par la corde, ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais nous, on est hardcore. Donc, on va... Il y a des loups aussi en bas, ça qui est chiant. On va... essayer d'atteindre le lac. Sans se suicider, ce serait bien. Ok, on y est presque là. Est-ce qu'on peut passer... Pas. Non, l'autre côté ça a l'air mieux. Surtout qu'on est plus loin du loup. Risque de gelure, ça c'est cool. C'est cool. C'est terrible. Ah, putain, on y est presque. Oh la vache. C'est pas le moment de se péter une jambe. Oh la vache. Ok, le plan. Je pense qu'on va passer par la gauche. Fou putain, on y est arrivé. Oh la vache. Pas mal. Ok, donc on va prendre ça. Ça c'est si jamais on peut... Si jamais on récupère des allumettes pour faire du feu plus tard. On va récupérer ça aussi. Ok, on est en pleine journée. Bon, par contre, il fait super froid. C'est un peu relou. Il fait moins 27, c'est quand même extrêmement froid. Alors, ce qui est bien dans ce lac, à part le fait qu'il y ait des loups, ça c'est moins bien. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de trucs de qu'on peut manger, là. Je sais plus leur nom. Ouais, risque de gelure, on n'est pas bon là. Il y a aussi des cerfs qu'on peut balancer, enfin, on peut un peu leur faire peur et peut-être que ils vont se faire bouffer par des loups. Ça serait pas mal. Ça nous aiderait. Ah, on a trouvé une lampe. Oh la vache, la chance. On peut aussi pêcher. Enfin, pas maintenant, mais... Ah, on va essayer de... D'assommer un lapin. Putain de merde, je les ai loupés. Merde. Ah ! Saloperie. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas le but principal de récupérer de la bouffe. Mais maintenant, on a les pierres. On peut les utiliser pour attaquer les lapins. Voilà ça. Massette. Ça fait du combustible et de la bouffe. Et où le loup? Je crois qu'il est. Il doit être là-bas normalement. Voir s'il n'y a pas des petits objets qui traînent ici. Un truc, il va falloir qu'on se réchauffe parce que là on est trop en risque de gelure en fait. Nos vêtements sont sûrement commencent à être mouillés. Donc on va avoir un problème bientôt. Ah, il est là-bas, là. Ok. Maintenant, la maison. On va voir si on a de la chance. Ok, alors. Moins 6 degrés. On a des allumettes, ça c'est pas mal. Prendre le charbon. On va pouvoir écrire une map. Très bien. On a une note d'alpiniste, on la lira plus tard, on s'en fout.
Ok. Tu vas pas me dire qu'il y a une tempête. On va faire du feu parce que, en fait, c'est ça le problème. Et si on est gelé, ça reste permanent en fait. Ça reste pendant tout le long du jeu. Qu'est-ce qu'on a brûlé? Je veux plus de pourcentage en fait. 60%. 80%, mais. Ça faudrait le lire en fait. Donc on va faire 60% ça. Avec du journal. Alors, le but du jeu en intrus là, c'est que quand on fait un feu, enfin pour moi, de ce que je vois, il faut le garder le plus longtemps possible en vie. Parce que vu que les allumettes c'est super limité, si on fait un feu, il faudrait le garder genre une vingtaine d'heures. Comme ça, ça évite, ça économise pour les allumettes. Ok, très bien. Très très bien. Très très bien. Voilà, ça on se réchauffe. Voilà, c'est bon. Bon là on peut détruire des trucs, ça c'est bien. Oh, il y a quoi là? Sport, il y a la corde. Il y a les caisses qu'on peut détruire. Hein. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, très bien. C'est un bon début. Ouh, j'avais pas vu ça. Ok, on a 4 heures de feu. On va aux alentours, on va voir si on peut pas récupérer quelques trucs en plus. Mes fingers feel numb. On est à moins 46. Oui. Un truc qu'on peut faire aussi, c'est... Ouais, là on n'a pas de visibilité, donc on peut pas le faire. On va devoir attendre la tempête. Faut qu'elle se calme. Il faut qu'on récupère des ressources. Un truc qu'on pourrait faire, c'est essayer d'attraper des lapins. Avec les pierres qu'on a, vu que on a plus ou moins un camp. Ça serait pas mal. Mais on verra ça quand la tempête sera passée, en fait. On va juste récupérer un peu plus de bois. Et après, on va changer de région, parce que ici, c'est un peu la merde. Il n'y a pas vraiment grand-chose, en fait. On veut genre villa côtière, tout ça. Enfin, les, y a ça, je crois. Et l'autoroute. L'autoroute, c'est vraiment bien. Donc, ça serait plus intéressant d'être sur l'autoroute. Allez, on va revenir avant de crever de froid, là, parce que...
Voilà. Voilà, très bien. On a du bon feu. Alors, niveau inventaire. On va se mettre à côté du feu pour sécher. On a 11 allumettes, c'est pas mal. On a un truc de... En bouffe, on a vraiment pas grand chose. Faut qu'on fasse de l'eau par contre. Voilà. Très bien. Ok, pour l'instant c'est pas mal. Alors, le problème c'est qu'on est, on est bloqué. Ouh. Waouh. Ok, là, on, là par contre on est cocu là. Là on est légèrement cocu. Oh la vache, j'avais pas vu ça. Oh la vache, je suis content. Ok, c'est cool. Bon, le problème c'est qu'on peut pas trop se balader. Alors moi ce que je voudrais faire c'est... je vais faire encore un tour du... du lac pour récupérer des trucs de ça là, pour avoir un peu plus de à bouffer. Mais on va pas rester ici. On va pas rester ici, on va passer directement dans la vallée. Parce qu'on n'est pas loin. De la vallée. Donc on va aller là-bas. Ce sera plus facile. Le problème c'est que les lapins ils sortent pas en fait à cette heure-là. Quand il y a une tempête, ça aurait été pas mal de récupérer des lapins avant de partir. Ah putain, tu la prends la pierre. Je pense qu'on devrait être bon là. On va retourner doucement. On va peut-être même dormir quelques heures si la tempête s'arrête pas. On a un marteau. Le marteau, ça va nous permettre de... Si c'est possible... De... Forger. Si on arrive à atteindre la forge, en fait. Ça aussi, c'est un gros si. Mais bon, déjà trouver un marteau, c'est déjà bien. C'est déjà très bien même. Il va faire nuit dans pas longtemps, je voudrais pas trop... Pas de sortir la nuit, mais bon, on va pas avoir trop le choix, je pense.
Enfin bref, on va voir. On a un livre, peut-être qu'on va attendre, on va lire le livre. Genre une heure. Bon. Toujours la tempête, ça c'est relou. C'est un peu relou. On a besoin de boire par contre, je crois. On a 15 trucs, ça va, ça c'est bien. Ok, il fait beaucoup mieux là, d'accord. Alors on va s'en profiter pour... on a 3 heures. 4 heures, ça va. On va en profiter pour aller chasser. Il fait un peu froid quand même. Alors si on peut si on voit des lapins, si on peut pas en récupérer. Il y a des lapins là-bas. Ça serait vraiment bien qu'on puisse en récupérer. Faire attention aux loups aussi. Putain de merde! Yes! Regardez pas les enfants. Voilà, ne regardez pas. Donc maintenant on porte de la viande, donc les loups peuvent nous sentir de plus loin. Donc ça c'est dangereux. Yes! Regarde pas, regardez pas. Putain, il est tellement mignon. Oh mon dieu. Je suis un monstre. Mon dieu. Que fais-je? Oh mon dieu. Avec cette putain de musique aussi qui en rajoute des caisses. Oh la vache. Bon, par contre, faut faire gaffe qu'il n'y ait pas des loups parce que maintenant ils nous sentent. Je crois qu'il y en a un là-bas. Ils peuvent nous sentir de super loin, ces connards. Et ils sont plus agressifs aussi. Ah, il y a ça. On va récupérer ça. Il n'y a pas d'autre. Oh, il y a un autre lapin. Oh putain. Viens ici. Viens ici. Je suis désolé. Viens ici. God damn freezing. Non, elle est loupée. Merde! C'est tellement délicieux, viens. Bon, on a pas mal de ressources niveau... niveau viande et tout ça, là. Il est parti où, putain? Bugs Bunny, reviens! Reviens, Bugs Bunny, faut que je te mange. Je suis désolé. Je t'ai... Putain! T'es résistant, toi! Bon, bah, vas-y, reste. Reste en vie, si tu veux. Merde. Je mangerai plus tard. Allez! Oh la vache! Ah, là, karma! Ah, casse-toi! Salope. Oh putain, je crois qu'il est toujours après moi. Casse-toi, je t'ai dit. Oh, 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 oh. Oh mon dieu. Casse-toi. Fido, arrête. Oh la vache. Tiens. Coup de marteau dans ta gueule.
Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, je sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai mis un coup de marteau, y a que ça que je sais. Oh la vache! J'ai regardé s'il y avait des trucs ici. Y'a rien. Vache! J'espère que tu crèveras, saloperie. S'il faut, on l'a blessé. Ah non, c'est un marteau. Je sais pas si on peut blesser les avec un marteau. Ça va la musique, tu peux te calmer, je suis pas encore mort. Tu vas te calmer. Alors, on a une entorse à la cheville, ça va? Suite à un faux mouvement, vous êtes tordu la cheville. Ça va, c'est bon. Alors, il est pas mort. Voilà. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est recycler la bouffe de l'animal. Donc on peut prendre la nourriture, tout ça. Bon, après ça prend trop de temps, donc... on va pas le faire. Ça prend trop de temps. Hop. Très bien. 40 minutes. 40 minutes. Non, ça sert à rien, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter les lapins. Parce que... Merde, qu'est-ce que je viens de faire? Ah oui, c'est pour l'appât. Non. On a combien d'heures? 2 heures. On va pas manger de la viande crue non plus, hein, évidemment. Très bien. On va prendre ça, on va faire ça aussi. Je sais pas si ça va nous soigner de l'entorse. Je sais plus si c'est ceux-là ou les autres. Je sais pas si c'est les champignons ou les... Non, bah c'est l'autre alors. C'est les baies là. C'est pas grave. Voilà, très très bien. C'est pas grand chose, hein. C'est vraiment des petits morceaux de viande. Hein. C'est un peu de la merde, mais bon. Voilà, très bien. On va refaire un peu d'eau. Après, je vais balancer le reste des trucs pour qu'on ait du feu toute la nuit. Qu'on meurt pas de froid. Voilà. On va faire cuire ça. Comme ça, on l'aura dans l'inventaire. Prêt au cas où. Voilà, très bien. Bon ben voilà, 5 heures, et on va dormir 5 heures. Enfin ouais, ça me fait un peu chier de perdre le feu, mais bon. De toute façon, on va partir. On va partir, donc. Ouais, on va survivre. Si jamais... Enfin, de toute façon, on va partir après, donc ça sert à rien de rester là. Donc on est bon. Il n'y a pas autre chose à faire que je regarde vite fait. Non, il n'y a rien. Parce qu'on va pas rester. Ici, on a laissé les machins, les bunnies. Donc on s'en tape. L'établi, on peut pas vraiment l'utiliser, on a rien à faire. Oh oui, on peut faire ça, oui. On verra ça plus tard. Allez, on va dormir. Ok, nous venons de dormir. Ouh, braise. Ouais, putain, j'espère que ça va marcher. Merde. Ok, on va prendre le charbon. 44, mais ça va vite descendre.
On a besoin de... Ok. Alors on va partir. Ouais, on descend. Ouais, la température elle descend vite. Donc on va partir. Voilà. Alors le plan, parce que dans cette difficulté il faut un plan. Et j'en ai un qui est infaillible. Non, on va peut-être en crever, mais j'ai un plan. C'est déjà ça. Alors on va... Alors déjà il fait super nuit. Je m'excuse en avance, mais je crois que ça va être très sombre pendant un petit moment. Et lapin, mais on va pas attaquer des lapins maintenant, parce que déjà de 1 on n'a pas le temps. Putain, on voit rien du tout. Et de 2, j'ai pas envie de me trimballer de la viande sur moi, parce que sinon on va se faire attaquer par les loups de super loin. Donc on va éviter ça. En tout cas, ce qui va se passer... Oh putain, on voit que dalle. On va aller à la vallée. Je crois que en français c'est la vallée charmante, je crois bien. On va prendre la vallée. Ok, là il y a le mur, il y a la montagne à gauche. Ok, d'accord. On est sur la, je crois qu'on est sur la bonne route. Donc faites-moi confiance. Je me rappelle plus ou moins de la map. J'ai déjà fait ce chemin-là, donc ça devrait se passer. Donc une fois qu'on sera, putain, on perd de la chaleur mais à une vitesse. Une fois qu'on sera dans la vallée charmante, on a des petits endroits à visiter. On devrait être bon pendant un petit moment. Et après, ce que je veux faire, risque d'hypothermie, ça tue. Ce que je veux faire, c'est... c'est pas un train d'atterrissage, ça ? Ouais. Ce que je veux faire, c'est aller dans la ferme du centre. Ok, il y a le train d'atterrissage, donc c'est par là-bas, je crois bien. Je crois bien. Enfin, il y a deux endroits, il y a deux passages. Je sais qu'il y en a un, c'est un cul-de-sac. C'est peut-être celui-là, mais bon, il y a peut-être des objets à récupérer, on verra. Et après, il y a le chemin pour la vallée, donc on va voir un peu. Voilà, une fois qu'on est... Ah, ça y est, on est protégé du vent. C'est déjà mieux. Une fois qu'on sera dans la vallée, donc voilà, on a quelques bâtiments à visiter. Puis après, j'ai envie qu'on s'installe plus ou moins vers le centre. Où c'est qu'il y a la grande ferme. Parce qu'il y a plus ou moins... Enfin, je dis pas tout le temps, mais il y a plus ou moins des bons objets, la plupart du temps, à récupérer. Et puis c'est grand, et puis c'est facile pour passer, enfin voilà, on a une chance de bien pouvoir camper. Par contre, il va falloir qu'on récupère de la bouffe, parce que pour l'instant on n'a pas grand chose. Je sais aussi que près du camp, en fait, près de la ferme, pardon, je veux dire la ferme, il y a des loups la plupart du temps. Mais il y a des cerfs et des lapins aussi, donc peut-être que si on peut, avec de la chance, quitter le mont, si on peut trouver des carcasses de viande et pouvoir récupérer de la viande, ça serait bien. Vallée charmante, très très bien. Enfin voilà, ça serait pas mal. Si tout se passe bien, on devrait pouvoir survivre. Et après, une fois qu'on a fait ça, on va passer par une mine. Il va falloir un peu de lumière par contre, parce qu'on n'a qu'une lampe et on n'a pas grand chose dedans. Une mine pour récupérer du charbon et après on ira à la forge. Voilà. En gros, ça sera ça notre plan. Donc on va se débrouiller comme ça. Pour l'instant, je sais pas si je l'ai dit, mais je vais pas trop marquer la map. Parce que bon, moi j'aimerais bien en fait marquer la map. Mais le problème c'est que apparemment on reste au moins 30 minutes à voire une heure en fait à l'extérieur quand on fait ça. Donc j'ai vraiment pas envie de le faire. Parce que sinon on va crever. Voilà, en gros. Ok, il y a là la corde. On va prendre la corde. On a de l'endurance, ça va. On va s'arrêter sur la bordure par contre, parce qu'il y a du bois. Ça c'est quoi? Chauffage. Bâton. Ok, cool. On a récupéré un peu plus de feu, ça c'est bien. Ok, ça va. On survit, merde, yes, on survit. Ok. Alors, maintenant, nous avons... Alors, ici, normalement, il y a du truc, là.
Ok. Alors on peut faire du feu. On peut faire du feu mais on va pas le faire. J'économise la lampe aussi. On va pas le faire parce que je veux aller dans un endroit qui est juste là. Yeah, écoutille. Voilà. C'était mon plan, ça c'est mon chemin. On va allumer par contre. Ah non! Il y a une tempête qui s'est levée? C'est possible qu'il y ait une tempête qui s'est levée par contre, ça c'est emmerdant. Ferra... Ouh, Jean, ça c'est bien. On a rien. Alors on a un peu faim, mais on va manger juste avant de dormir, parce qu'ici il y a un lit si je me rappelle bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger, boire, et après on va... Bon, s'il y a vraiment une tempête, parce que rien que le bruit, je pense qu'il y a une tempête maintenant qui vient de se lever. On va laisser passer la tempête, mais surtout on va récupérer de la constitution, parce que là on est à moins de 50% de vie, c'est un peu la merde. Attends, Jean troué d'abord. Hop là, très bien. Tu veux pas me filer des allumettes ou des trucs comme ça, ça serait bien. Oh la vache, ouais d'accord, il y a une tempête. Là c'est tempête là. C'est tempête, c'est la merde. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est on va dormir ici. Voilà, ok. Alors le lit. Alors on subit moins 1. Alors ça c'est déjà c'est pas bon. On va manger. Ça, ça peut donner... Jeter au menu radial, c'est quoi ça? Je sais pas. On va le garder de côté, parce que ça peut donner plus de... Si on trouve un ouvre-boîte, ça peut aider. Alors, on va manger ça. Très bien. La boîte de conserve, on va la garder. Elle est à 78% pour l'instant. Si elle descend trop bas, on la mangera, même si on n'a pas... On la forcera, en fait. Mais bon. Ok, très bien. Maintenant, on va... Très très bien. Bonus de chaleur, plus 5, voilà. C'est pour ça que j'aime bien cet endroit, parce que cet endroit, en fait, nous donne beaucoup de chaleur. Et vu qu'on est assez fatigué, on va passer 9 heures, je pense que ça devrait être bon. Il va faire jour. Peut-être 10 heures à la limite, je sais pas. On va mettre 9 heures. 10 heures, on va mettre. Parce que je vais être en forme pour le chemin qui arrive, parce que là, on a un très long chemin à faire.